Le zapping politique de Laurence Perron. Are you lonesome tonight? Le monde est une scène et chacun doit y jouer son jeu ou pas. Petit moment de solitude pour le tout nouveau ministre Olivier Dussopt. Lorsqu'il faut au renégat socialiste, comme l'appellent désormais ses anciens camarades, lorsqu'il faut à Dussopt venir défendre un budget contre lequel il a voté il y a 6 jours. Permettez-moi, Monsieur le Président, quelques mots avant de donner l'avis du gouvernement sur ces amendements pour vous dire l'honneur qui est le mien de pouvoir m'exprimer devant votre Assemblée. Je sais d'expérience, par l'expérience que j'ai eue à l'Assemblée nationale, que les compromis sont souvent possibles. Et tandis que l'un est condamné à boire la ciguë, l'autre, l'insoumis, qui refuse désormais qu'on l'appelle en chef, boit du petit lait à Clermont-Ferrand. Nous sommes prêts, s'il le faut, à parler même avec les socialistes, à condition qu'ils se disent d'opposition. Mais voilà qu'ils votent sur la confiance, 5 votent la confiance, 3 votent contre avec nous, et tout le reste s'abstient. Et quand bien même ils votent contre la politique de ce gouvernement, comme ce fut le cas pour la loi de finances, vous en retrouvez un au gouvernement 3 jours après. Autrement dit, braves gens, chaque fois que vous en élisez un, il peut y avoir tromperie sur la marchandise. Côté renégat, la droite n'est pas en reste entre ceux qui adhèrent officiellement au parti du président de la République et celles comme Virginie Calmels, qui passe des rives de l'identité heureuse à celles où l'on conspue les élites ultra-mondialisées. Bah, le socle commun, c'est le régalien, c'est l'économique, c'est l'éducation. On dit la même chose. Quota d'immigration, chez Wauquiez, chez Sarkozy, chez Fillon, chez Juppé. Alain Juppé n'a pas dit si Laurent Wauquiez est élu, on quitte la famille politique. Pas vous, du vous tout. Vous êtes fâché avec Juppé? Pas du tout. Ça aussi, ça fait partie, vous savez, de la légende urbaine. Là, la scène, c'est celle d'une université africaine, Ouagadougou, au Burkina Faso. Emmanuel Macron répond à l'interpellation d'une étudiante. Quelque part, vous me parlez comme si j'étais toujours une puissance coloniale. Mais moi, je ne veux pas m'occuper de l'électricité dans les universités au Burkina Faso. C'est le travail. C'est le travail du président. Du coup, il s'en va, reste là. Du coup, il est parti réparer la climatisation. The world's a stage and each must play a part. Et le président français est obligé de défendre son sens de l'humour. On doit pouvoir se dire les choses de manière dépassionnée et on doit pouvoir aussi plaisanter. Il se trouve qu'il allait, comme vous avez dit très joliment, faire une pause technique et que la jeune fille m'avait interpellé de manière lyrique sur le fait qu'on allait inaugurer une centrale solaire mais qu'ici la clim ne marchait pas. Un pipi gate donc. Emmanuel Macron, en termes d'humour, a été à bonne école, celle de François Hollande. Le Grand Prix Presse Club Humour et Politique 2017 est attribué à François Hollande. Monsieur le Président, si vous voulez Monsieur bien. Monsieur le Président. J'ai bien compris que c'était l'ensemble de mon œuvre qui était salué ce soir. Je parle de ce domaine-là, mais je vais ici vous faire une révélation. Mon œuvre n'est pas achevée, au moins sur ce plan-là. Merci.